Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une recette de soupe, le velouté de courgettes à la vache qui rit. Vous pouvez trouver la vache qui rit en forme portion ou en crème. Ce n'est pas gênant si vous trouvez en portion. Ce velouté de courgettes peut satisfaire les petits et les grands. J'utilise mon multicuiseur, mais vous pouvez utiliser la cocotte minute. Allez, c'est parti pour la recette. N'épluchez pas vos courgettes. Sous la peau, il y a les vitamines. Commencez par couper les extrémités de la courgette. Faites deux coupes longitudinales sur la courgette. Puis en travers, faites comme des petits cubes. Comme ceci. Réservez vos courgettes. Hachez un oignon. Puis réservez. Hachez également deux gousses d'ail. N'hésitez pas de mettre deux gousses d'ail parce que la courgette reste assez fade. Réservez également. Ajoutez l'huile, l'oignon. Faites revenir votre oignon en le colorant légèrement. Voilà, comme ceci. Puis ajoutez les courgettes. Remuez bien et faites-les bien suer. Comptez à 3 à 4 minutes pour obtenir le résultat. Plus vous laissez compoter vos légumes, plus votre soupe aura du goût. Ajoutez l'ail. Ajoutez l'eau et une tablette de votre choix. Je vous déconseille de saler. Brassez bien. Cuisson finale à la vapeur, 10 minutes. Et puis enfin, ajoutez la crème de vache qui rit. Rectifiez l'assaisonnement, salé, poivré si vous le souhaitez. Et mélangez bien. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Regardez cette onctuosité. Je pense que les enfants vont se régaler. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis pour une prochaine recette. Bye!